si on pourrait le dire aussi comme ça. Consolatio, ça veut dire en latin consoler, c'était aussi des récits littéraires qui étaient là pour consoler les gens qui étaient affligés par la douleur, par la peine. Et c'était aussi des petits récits qui se voulaient cyniques, hein. C'était un peu d'humour noir. Alors, je vais vous donner deux exemples quand même avant d'aller plus loin. Le premier, plus ancien. Ta femme et tes enfants sont morts de la peste. Oui, mais comme ils ont travaillé au champ jusqu'à leur mort, tu auras ta soupe de céréales dimanche. Plus contemporain. Nous devons chanter à 21h au théâtre de l'île Saint-Louis. À 21h moins 5, le régisseur n'est toujours pas là. Ça tombe bien. Le public non plus. Si ton mari t'a quitté, que t'as perdu ton boulot, que ta mère a un cancer et que ton chat a crevé, si t'as perdu tes lunettes, que le poisson dans l'assiette a une couleur bien verte, c'est mieux pour t'intoxiquer. Crois-moi, ça pourrait être pire s'il y avait une fuite de gaz, une tornade dans le quartier, saupoudrée d'un attentat, t'aurais pu être confiné avec un tueur en série. Consolation.
Et Berlin, le Montagne.